Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans un hall Action. Et oui, j'ai été à Action et j'ai trouvé pas mal de petites choses. Donc je vais vous présenter tout ceci. J'avais tout mis tout simplement dans un sac comme ceci que j'avais déjà acheté quand j'avais été à Action. Donc je m'en suis tout simplement resservie. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris ici? Alors, déjà, je vais prendre mon petit caisse. Alors, déjà, pour commencer, j'avais pris des brosses métalliques rondes. Il y a 6 pièces. Je les ai payées 2,79 €. Là, actuellement, je les ai là parce qu'ils sont dans mon garage. J'ai pris une robe comme ceci. Ça fait très, très longtemps que je la vois, celle-ci, circuler et je la cherchais. Et là, elle y était. Donc, plutôt content. Donc moi j'ai pris en taille M et cette robe je l'ai payée 4,99 €. Donc pour le prix, j'ai envie de vous dire, c'est suffisant. En plus voilà, très légère pour cet été, donc c'est parfait. Ensuite j'ai pris des bandes de cire comme ceci. Donc j'ai envie de tester ça. Je veux bien voir ce que ça donne. Donc ça, j'ai payé ça 1,89 €. Ensuite, j'ai pris des chaussettes comme ceci. C'est pareil, c'est pour enlever les callosités au niveau des pieds. Donc je vais tester aussi. On va bien voir. Donc c'est vendu par un lot de une paire. Et j'ai payé ça 1,79 €. Ensuite, alors j'ai pris un nouveau bloc. Ils ont sorti pas mal de nouveaux blocs en 15-15 comme ceci à Action. Donc là, moi j'ai pris celui-ci. Il y en avait d'autres qui me plaisaient, mais voilà, j'ai pris celui-ci parce que je voudrais réaliser un petit album avec ceci. Voilà. Je l'ai payé 0,74 centimes. Donc là, c'est noté qu'il y a du foil. Donc, je vais vous présenter un petit peu les designs. Voilà, là on voit le foil. Voilà, chaque fois il y en a trois. Là, il est avec le foil. Oups là. Ici. Avec du foil à pois, on voit légèrement le foil qui est ici. Là, avec le foil, ici également. Très très joli, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait assez, ça fait été. Voilà, très joli. Là, c'est avec des pois. Je ne sais pas si on va réellement bien voir. Et voilà. Donc, si vous voulez c'est fresh, fresh floral. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Alors, j'ai pris différentes pâtes polymères comme ceci. C'est vrai que j'ai envie de me remettre un petit peu à la fimo. Donc, du coup, j'ai trouvé ces couleurs-là. Donc, c'était 1,18 € un paquet. Donc, j'ai pris les couleurs bleues, les couleurs vertes, les couleurs violettes et celle-ci. Voilà, je crois que le seul qui me manque, c'est le rose que je n'ai pas trouvé dans le mien. Voilà. Donc j'ai pris ceci. Je regarde. J'ai pris tout simplement de la crème UV auto-bronzant. Voilà, donc à 30%. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, elle sent très 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 bon. Et j'ai payé ça. Donc c'est une huile de bronzage. J'ai payé ça 3,49 €. Voilà.
Des lingettes WC, hein. Voilà. J'ai pris du coton démaquillant. J'ai repris du double face. Moi, franchement, je n'ai rien à redire sur ça. J'essaye de faire un maximum d'albums avec ceci. Et j'ai payé ça, donc 0,35 €. J'ai pris des petites gourmandises, hein, pour me faire plaisir. J'ai pris également, donc... alors, je sais pas où j'ai mis ça. Bah écoutez, je crois qu'ils n'ont pas compté. Ils m'ont pas compté celui-ci. Mais c'est du. C'est du. De la mousse 3D. Voilà, mais celui-ci, ils ne m'ont pas compté. Donc, bah, tant mieux pour moi. J'ai pris également donc des enveloppes. Donc, ça, c'est pour un projet que j'aimerais réaliser avec ceci. Donc, c'est des bases d'enveloppes. Donc, il y a les cartes et les enveloppes. Donc il y en a 8 à l'intérieur. Et j'ai payé ça. Donc c'était 0,64 € et j'en ai pris 2. Voilà, donc j'ai pris dans les couleurs blanc. J'ai pris également donc un cardstock donc, qui est en A4 qui fait 220 grammes. Donc là il y avait de la couleur un peu... un peu crème, du noir, du marron et un vert. Je sais pas si je les utiliserai, mais moi c'est surtout pour ces couleurs qui sont là. Celle-ci, je sais pas, je verrai peut-être faire des cartes ou autre. On verra bien. Donc ce bloc, je l'ai payé 1,55 €. Donc voilà ce que j'ai pris. Et ma maman voulait donc un album photo sur un peu les thèmes de vacances. Donc je lui ai fait montrer celui-ci et elle m'a dit qu'elle l'aimait très très bien. Donc elle le trouvait très très joli. Donc c'est le Peachy Collection. Et donc j'ai payé ça. J'ai payé ça 1,99 €. Donc il y a 24 designs. Donc on va l'ouvrir ensemble. Voilà, donc là on a un bleu tout simple. Ici, là avec des petits citrons. Du jaune. Ici, comme ceci. J'aime vraiment beaucoup. Là on dirait vraiment du lin en fait. Est là des petites fleurs très très fleuries, j'aime vraiment beaucoup. Là un aspect un peu jean. Là on a encore des petits citrons ici. Donc là, hop là, on a des petites cartes avec les plages. Ici on en a des plus petites, très très jolies, j'aime vraiment beaucoup. Ici, j'espère que vous voyez bien. Là, là on a, hop, je vais essayer de le mettre comme ceci. Ici on a un petit peu bah, l'aspect plage en fait, on a la mer et puis le sable. Voilà, là c'est bah, l'eau de la mer. Ici. Ici, vraiment, là on voit dans le fond, on voit la mer, là on voit le sable avec les petits feuillages. Vraiment très très joli et en fait on revient sur la même chose. Voilà,
très très joli. J'aime vraiment, mais vraiment beaucoup. Voilà, donc j'essaierai de faire un album pour ma maman comme ceci. Voilà ce que j'ai pris. Donc il y avait pas mal de petites choses en nouveauté. Et j'ai repris également donc, de la Takiglu. Et donc la Takiglu, je l'ai payée 0,99 centimes. Voilà ce que j'ai pris. Et là, j'ai hâte de pouvoir mettre la petite robe pour voir ce que ça donne. Et puis, bah, je vous avoue que je testerai ceci. Je vais bien voir ce que ça vaut. Voilà, donc j'espère que ce petit haul action vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!